biocarburants et de biocombustibles tout de suite. Bonjour Alain Vivier. Merci d'être avec nous. Alors vous êtes à la tête d'une association qui s'appelle Oléo Déclic. En un mot, est-ce que vous pouvez nous rappeler ce que c'est que cette association ? Ah oui, bien volontiers. Oléo Déclic s'occupe de mettre en place des filières de valorisation d'huiles alimentaires usagées recyclées. Ouais. Donc on recycle les huiles de friture des restaurateurs, aujourd'hui, demain ceux des particuliers. Et on produit un combustible, un biocombustible, ouais, qu'on utilise essentiellement en chaudière. Moins en voiture, on le verra. On reviendra là-dessus, ouais, oui. Voilà, parce que c'est, on le dit, hein, du biocombustible que vous faites, et il y a aussi du biocarburant. Alors justement, comme notre thématique aujourd'hui, c'est biocarburant, biocombustible, comment ça marche? Eh bien, regardez ce petit sujet très pratique qui nous explique tout. Un carburant, qu'est-ce que c'est? Le mot carburant vient du latin carbo, ce qui veut dire charbon. Le tout premier carburant date de 1804 et il alimentait les locomotives. C'était tout simplement de l'eau chaude. Oui, vous avez bien entendu, au 19e siècle, on carburait à l'eau chaude. Mais assez vite, le charbon lui pique la vedette et la remplace. Pourquoi? Eh bien parce qu'il est plus puissant, car il est plus inflammable. Et la chaleur est indispensable au bon fonctionnement d'un moteur à combustion. Explication. Le carburant entre et sort dans le moteur. Il est compressé par des cylindres, il s'enflamme et une fois devenu gaz, le carburant est évacué. En gros, démarrer sa voiture, c'est comme allumer une bougie. Aujourd'hui, le gasoil et l'essence sont les carburants les plus répandus dans nos stations-service. Mais ce sont aussi les plus polluants. Une voiture française émet 2 tonnes de CO2 par an et par personne. Soit ce qu'un Français devrait produire sur une année en ayant une voiture, un téléphone, une habitation, en s'alimentant, etc., etc., etc. Il y a donc urgence. Mais rassurez-vous, il existe aujourd'hui des alternatives à ces carburants, comme le biocarburant composé de différents produits, comme le soja, le maïs ou encore les betteraves. De quoi faire une belle salade ou une belle balade. Voilà, belle salade, belle balade. Bon, rassurez-nous, les huiles que vous récupérez, vous n'en faites pas des huiles de salade? Ah non. On est d'accord. Biocarburant et biocombustible. Oui. Alors, c'est quoi la différence? Parce que vous faites le distinguo. Vous. Oui, moi je fais le distinguo et c'est plus peut-être les autorités qui font le distinguo. On va parler de combustible plutôt pour du chauffage, pour des moteurs fixes, ouais, et le carburant plutôt réservé pour des voitures, quoi. Voilà. Camions, des choses et d'un point de vue législatif. Alors, justement, regardez cette question d'un téléspectateur qui vous la pose. Je crois qu'on a la réponse avant même la question, mais regardez. Bonjour, je m'appelle Alexis, j'habite à Marseille et je viens de changer de véhicule. J'aimerais savoir si je pouvais utiliser l'huile végétale comme carburant et savoir si ça ne va pas abîmer mon nouveau véhicule. Voilà. Voilà, il a bien raison de poser cette question, c'est un nouveau véhicule. Alors, même si on passait outre la législation, on pourrait éventuellement utiliser votre biocombustible à vous dans un moteur de voiture, mais pas un moteur récent, c'est ça? Oui, c'est-à-dire que les moteurs qui fonctionnent au diesel commençaient avec de l'huile, étaient ouais, prévus pour marcher avec de l'huile, et puis après est venu le pétrole. Donc oui, techniquement c'est possible, c'est interdit, mais c'est possible. Il y a un deuxième petit point, c'est que les voitures récentes sont bardées de capteurs électroniques, et ces capteurs vont sentir une viscosité différente par rapport à celle du fioul, et c'est donc ça, vont mettre la voiture en drapeau, quoi, quelque ouais part. Il y a une autre raison aussi, c'est que un moteur de voiture, c'est 30% d'efficacité énergétique, une chaudière, c'est plus de 90%. Avec le même carburant, on va pouvoir faire marcher beaucoup mieux un moteur de chaudière, finalement. Oui, c'est un brûleur. Un brûleur. Oui, ouais, tout à fait. Est-ce que, quand on a une chaudière classique, il faut la modifier pour oui qu'elle puisse accepter vos biocarburants? Tout à fait, tout à fait. Il faut changer le brûleur. D'accord. Voilà. Donc, et ça a un léger surcoût parce qu'en fait, l'huile étant moins fluide que le fioul, il faut la réchauffer un peu. D'accord. Afin qu'elle passe mieux dans le brûleur. Donc il y a un léger surcoût. Nous, on n'est pas chauffagistes. Notre objectif, nous, c'est de récolter ces huiles que l'on voit à l'écran et de les nettoyer. Voilà. Alors vous les récoltez. Alors ce qu'on va voir comme reportage là tout de suite va peut-être vous parler. Nous allons voir l'exemple de Roule Ma Frite. C'est l'association basée un petit peu plus loin que chez nous.
nous, hein, c'est sur l'île d'Oléron. Cette association récupère les huiles de friture usagées pour les recycler. Eh bien, elle est obligée de revendre ces huiles à des industriels, mais pas français, espagnols. Mmh. Vous voyez qu'ils les transforment eux-mêmes. Et vous savez pourquoi ? Parce que la législation, aujourd'hui, les en empêche. Pour l'instant, eh bien, le dossier avance. On regarde ce reportage. L'huile de friture usagée recyclée en biocarburant. Depuis presque 10 ans maintenant, l'association Roule ma frite fait la tournée des restaurants sur l'île de Léron et même sur le continent aujourd'hui. Maintenant, on reçoit des appels d'un peu partout parce qu'on commence à être connu sur la réactivité et le partenariat et entretenir des bons rapports. Parler de l'huile de palme, parler du respect, du déchet, parce qu'on va en faire quelque chose en circuit court, hein, en local. Le monde industriel ne prend pas tout ça en considération. 40 000 litres collectés cette année et de nouvelles ambitions. La structure souhaite mettre en place une unité de transestérification, c'est-à-dire créer un biocarburant du diester à partir d'huile de friture usagée en l'ajoutant à de l'éthanol issu des déchets viticoles récupérés aussi sur l'île. On sait que ça se fabrique, on sait qu'il y a une entreprise en France qui fabrique une unité de transestérification. Beaucoup d'agriculteurs, surtout dans le sud-ouest, qui font du canard, ont au sein de leur ferme une petite unité de transestérification pour recycler leurs déchets de gras, de canard par exemple, et font tourner leur tracteur avec ce diester. Interdit en France, l'association se tourne vers l'Espagne pour l'instant, là où il existe déjà une usine de transestérification. On est loin du circuit court, loin de l'idée de départ. Nous, l'idéal, c'est que les huiles de l'île d'Oléron restent sur l'île d'Oléron, soient transestérifiées avec le déchet des viticulteurs et que les machines de l'écopôle, les machines du pays marin Oléron, les véhicules de la mairie, des communes, puissent fonctionner avec ce carburant local. Au lendemain de la COP21, où les territoires énergie positive comme l'île d'Oléron étaient invités, le projet de Roule ma frite a été déposé sur le bureau du ministère de l'Écologie. Voilà, et donc Roule ma frite, c'est une association avec laquelle vous avez des contacts. Tout à fait, tout à fait. On a même une petite fédération qui s'appelle Réseau Léo, et donc on se rencontre au moins une fois par an, et on s'échange par mail et par téléphone plus souvent. Est-ce que c'est rentable de l'huile de friture recyclée pour mettre dans sa chaudière ? Ça coûte combien un litre d'huile quand vous la produisez, vous ? Alors, aujourd'hui, on est à 90 centimes. Ouais. Voilà. Alors, c'est une belle valorisation pour de l'huile qu'on allait jeter auparavant. Ah oui, ouais. Tout à fait. Et par rapport au fioul, alors ça reste intéressant, ben, le fioul, c'est qu'il n'a pas une, il a une valeur qui est très mobile, qui est très fluctuante. Là, en plein hiver, vous allez le payer cher, votre fioul. Alors, si vous le commandez au mois de juin, vous le paierez beaucoup moins cher. Et puis maintenant, s'il y a un petit souci entre, ben, je dis n'importe quoi, mais entre la Russie et l'Arabie Saoudite et que ça s'intensifie, votre fioul, vous allez le payer très cher. Donc, c'est peut-être bon de se dire qu'on modifie cette fameuse chaudière avec un brûleur un peu spécial qui va coûter un petit peu plus cher, mais on aura un prix fixe. Ça ne devrait pas évoluer, vous, votre prix, il est à 90 centimes. Il est peu probable qu'il augmente de façon importante. Il pourrait augmenter parce que la collecte, les coûts, nous aussi, on est soumis au coût du fioul, donc ça pourrait augmenter un petit peu, mais il reste quand même stable sur plusieurs années. Qui sont vos clients et comment vous joindre ? Ce sont mes deux dernières questions pour ceux qui sont peut-être intéressés. Alors, pour nous joindre, il y a un site internet www.oleodeclic.org, tout attaché. Ouais. Et puis, la deuxième question, c'était ? Eh bien, c'est qui sont vos clients ? Est-ce que peux être client ou est-ce que ce sont plutôt des institutionnels ? C'est plutôt qui sont des institutionnels. Effectivement, on a chauffé pendant 3 ans 500 personnes à 6 fours dans le Var, avec par l'intermédiaire de 2 écoles primaires et un bâtiment des services techniques. Aujourd'hui, on chauffe un centre de tri à Pont-de-Vivo à Marseille pendant 1 an. C'est une expérimentation avec suivi de performance, etc. Donc, effectivement, on s'adresse plutôt aux bailleurs sociaux, aux professionnels, etc. Quoi. Ouais. Frédéric, une question, ça vous titille un petit peu les biocarburants ? Oui, je trouve ça très intéressant. Et est-ce que vous récupérer, on parlait un petit peu gastronomie tout à l'heure, mais ça m'y fait penser, les huiles des restaurants de collectivité, qui évidemment ont des quantités beaucoup plus importantes que le petit snack du coin. On ne s'interdit rien du tout, donc on a aussi bien des Crous, des hôpitaux, des maisons de retraite, et des restaurants comme au Vallon des Offes, etc. Enfin, et aujourd'hui, c'est quand même une production de 400 000 litres par an, c'est ça, chez vous ? Concerne, de votre production, c'est combien ? Est-ce que j'ai 400 000 litres ? 70 tonnes. Ça va.
Donc c'est beaucoup, c'est bien inférieur, mais effectivement c'est déjà pas mal. Pour une association, vous êtes combien à travailler à Oléo Déclic ? Trois. Bon, c'est même très très bien. Mais ça risque de bouger pas mal, puisque l'année prochaine, on devrait, en fin 19, on projette de produire plus de 230 tonnes propres. Quoi. Bien. Et celui qui produit ici beaucoup, c'est le groupe Total, vous m'avez dit, avec raffinerie de la Mède qui a été transformée en partie. Oui, tout à fait. D'ailleurs, j'ai vu dans le lancement, là, on ne parlait pas d'huile de palme, mais ouais. La Total a été bien subventionnée. D'ailleurs, pour faire ça, c'est transformé pour mettre une usine d'agrocarburant. Moi, je parle vraiment d'agrocarburant qui s'appuie essentiellement sur l'huile de palme, avec les conséquences incroyables et terribles en Indonésie, en Malaisie, surtout sur les cultures vivrières, sur les animaux, sur les gens, ouais. sur la déforestation, sur le transport, etc. Et bien souvent, en fait, on s'aperçoit que produire un litre de biocarburant revient plus cher que de prendre du pétrole, parce qu'il faut du pétrole et des engrais aussi. Non, c'est une vraie catastrophe. On a vraiment l'impression que Total est un énorme navire qui voudrait freiner, qui voudrait bouger, mais il ne peut pas parce qu'il y a une inertie telle. D'accord. Et donc, vous dites que c'est du greenwashing, c'est-à-dire c'est une belle image pour Total de dire qu'on fait des biocarburants. Ah, ils prennent un peu des huiles de friture. Ils prennent aussi des huiles de friture. Ouais. Mais des huiles de friture en France, il y en a 170 000 tonnes par an. L'usine de Total, qui n'est pas la seule en France, mais qui est la plus grosse, a une production de 500 000 tonnes par an. Donc, vous vous rendez bien compte que de toute façon, même si vous ne prenez pas les huiles friture, je ne sais même pas. Bon, ah oui, vous savez même pas. Ah non, moi je trouve ça que c'est une hérésie environnementale, économique et sociale. Bon, eh bien écoutez, ce sera le mot de la fin, pas forcément très positif, mais le mot de la fin. Merci Alain Vigier.